Bonjour les enfants! Bonjour les amis! Aujourd'hui, on va voir quand est-ce qu'on utilise il, elle, ça on l'avait déjà un peu vu, il avec un S et elle avec un S. C'est à vous de choisir le bon. Alors, quand est-ce qu'on utilise il? Quand c'est un garçon, quand c'est masculin, quand c'est masculin. Par exemple, il mange des céréales, ça peut être le garçon. Donc c'est quand c'est une personne masculin. Mais ça peut être aussi un objet. Je peux dire, il est posé sur l'ardoise pour le stylo ou le feutre. Donc le feutre c'est masculin, je peux le remplacer par il. Je ne peux pas dire, elle est posée sur l'ardoise. Elle, c'est quand c'est pour une fille, quand c'est féminin. Donc pour tous les mots qui sont féminins et quand il y en a un seul. Par exemple, la fille dort, je peux dire elle dort. Et pour un objet, la règle, hop, la règle est là, elle est là. Je ne peux pas dire « il est là », c'est « elle », puisque la règle, c'est féminin. Ça commence par « là ». Maintenant, « il » avec un « s », « elle » avec un « s ». Mais c'est quand il y en a plusieurs. Eh oui. Donc, ça peut être que des garçons, que des objets faits masculins, ou ça peut être aussi mélangé. Par exemple, « les enfants dorment ». Il y a des garçons et des filles dedans, peut-être, mais ce sera toujours « il ». Ou « les filles et les garçons chantent »,« ils chantent ». On ne pourra pas dire « elles ». Même s'il y a des filles, on met « ils ». Donc c'est « garçon, garçon, fille ». Et ça marche aussi pour les objets qui ne sont pas féminins. Donc par exemple, si je mets... Les feutres sont posés, ils sont posés. D'accord? Et elle, c'est pour plusieurs choses féminines. J'en mets deux, ou on peut en avoir plusieurs. Par exemple, les chansons sont bien. On dit une chanson, c'est féminin. Donc on dirait, elles sont bien. Alors maintenant, on va voir si vous avez bien compris. On va déjà le faire à l'oral. Alors attention, est-ce que Ludo, tu as bien compris? Eh oui, parce que j'ai bien compris. Alors moi, je vais dire un mot. Et tu dois le remplacer par il, elle, il avec un S ou elle avec un S. On le fait à l'oral, il n'y a pas besoin d'écrire. D'accord, vous êtes prêts? Vous devez être plus vite que moi. Alors... la chaise. La chaise. Elle. Oui. La chaise est grande. Elle est grande. Il n'y en a qu'une et c'est féminin. Le garçon. Le garçon. Il. Sans S, sinon je le dis. Il. Le garçon est petit. Il est petit. Les enfants. Les enfants. Il avec un S. Oui, il y en a plusieurs. Les filles. Les filles. On peut le remplacer par elle avec un S. Oui, il y a plusieurs filles. C'est que des filles, c'est féminin. Féminin. Les carottes. Les carottes. Par exemple, les carottes sont cuites. Est-ce qu'on dit il ou elle? Elle. Elles sont cuites. Les carottes sont cuites. Elle. Avec un S, puisqu'il y en a plusieurs. Ouh, j'ai failli avoir faux. Elle avec un S. Et pour ça, quand vous savez plus les carottes, si c'est masculin ou féminin, vous changez, vous en mettez qu'une ou un. Donc on dit une carotte, on ne dit pas un carotte. Une carotte, c'est féminin, donc c'est elle. Et comme il y en a plusieurs, c'est un S.
La table. Par exemple, la table est lavée. La table. Elle. Oui, féminin, elle. Les feutres et les stylos. Par exemple, les feutres et les stylos sont rangés. Il, avec un S, il y en a plusieurs. D'accord. Et dernier, avant de passer à autre chose. Un tableau. Un tableau. Il, masculin, il n'y en a qu'un seul. D'accord. Alors, je vais essayer de laisser ça là. Non, je vais pas pouvoir parce que je vais devoir zoomer. Donc on va voir si vous avez bien compris. C'est un petit jeu. Hop, voilà. Où vous lisez la phrase et vous devez choisir il avec un S, elle avec un S. Allez-y. Je lis pour ceux qui ont besoin. Les sorcières ricanent. Il faut remplacer les sorcières par il avec un S, elle avec un S. Alors, qu'est-ce qu'on met, Ludo? Les sorcières, c'est une sorcière, donc on dit elle ricane avec un S. C'est celui-là. Deuxième, lisez, vous remplacez les chats. Les chats miaulent. Vous choisissez il, elle, il avec un S ou elle avec un S. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi? Qu'est-ce que tu as choisi, Ludo? Il avec un S, il y en a plusieurs et on dit un chat, c'est masculin. Oui, c'est celui-là. On en fait encore un autre. Il faut remplacer papa. Papa tond la pelouse. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place de papa? Je vous ai remis. Voilà, la petite règle. Je vais redézoomer un peu. Voilà, on y est. Comme ça. Papa tond la pelouse. On peut mettre il tond la pelouse. Et comme il n'y en a qu'un, c'est il. Voilà. Et un dernier. Eva et Emma sont amis. Il avec un S, elle avec un S. Attention, on va corriger rapidement. Eva et Emma, ce sont deux filles, donc elle avec un S. Voilà. Maintenant, vous allez devoir écrire. On fait que deux, trois exemples, après vous ferez les fiches tout seul. Vous choisissez il, elle, il avec un S, elle avec un S. Donc j'écris une petite phrase. Oula. J'écris une petite phrase. Et vous devez mettre le mot de devant. Pour ça, mettre la majuscule, c'est le début de la phrase. Ah non, donc je mets un. Pardon. Vous allez remplacer un mot. La table. Et ranger. Vous remplacez la table par il avec un S, elle avec un S. Voilà. Allez-y. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? La table, c'est féminin ou masculin? Féminin. C'est féminin. Donc, on va mettre... elle. On met elle. Elle est rangée. On vérifie toujours si ça marche.
que si ça vous semble bizarre à l'oreille, c'est que c'est pas bon. Attention, j'efface. Deuxième phrase. Les trains vont vite. Vous remplacez train. Voilà, c'est ça qu'il faut remplacer. Par contre, on pourrait le remplacer. Les trains vont vite. On corrige. Les trains... Alors, il faut d'abord réfléchir si c'est masculin ou féminin. On dit un train, donc c'est masculin. Un train, tu as raison. Et donc, il y en a plusieurs. Donc, on va mettre il avec un S. Ils vont vite. Les trains vont vite. On peut remplacer par ils vont vite. Ça marche aussi. Et voilà, maintenant, vous êtes prêts pour faire les petites fiches sur il avec un S, elle avec un S. Bon courage les enfants! Vous me direz si vous avez réussi!